Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. On est de retour pour une autre chronique équipement. Éric Dupont encore avec nous cette semaine qui va venir conclure sa portion patin pour la saison 2018-2019. Malheureusement, Éric, le hockey est rendu un sport très dispendieux à pratiquer et c'est pas tout le monde qui est capable de se permettre d'acheter des produits haut de gamme tout le temps. Effectivement, l'équipement est rendu de plus en plus sophistiqué. Il y a beaucoup de recherche et développement derrière ça. Puis tous les jeunes rêvent de porter un jour ou l'autre l'équipement de leur joueur favori. C'est sûr qu'on veut, jouer avec les bâtons à McDavid, les patins à Matthews, les gants, tout ça. Mais évidemment, il y a un prix qui est rattaché à tout ça. Exact. C'est pour ça que cette semaine, je vais vous parler de deux modèles de patins Bauer Elite qui sont un petit peu plus abordables que les modèles qu'on parle habituellement. Je dois t'avouer, comme père de famille, j'ai deux enfants qui jouent au hockey. Moi, ce que tu me dis là, ça m'interpelle beaucoup. Donc, le premier modèle qu'on va parler, c'est le Nexus 2M de Bauer. Un patin qui s'adresse aux joueurs avec des pieds plus volumineux. Sa tenue de talon profonde tient votre pied fermement en place pour plus de confort, ce qui est l'idéal pour un coup de pied élevé. De plus, il est conçu d'un matériau de composite curve ultra léger pour une vitesse qui influence le jeu. Le Nexus 2N est un patin construit pour un contrôle ultime. Écoute, pour être bien franc, Éric, là, je t'écoute parler, puis je vois pas vraiment de différence, à mes yeux, pour moi, avec ce qu'on parlait de la semaine dernière, le haut de gamme, et on compare avec ça, vraiment, on peut se satisfaire pleinement avec ce qu'on a aujourd'hui. T'as d'autres choses à nous montrer? Un petit peu petit frère du 2S, c'est ça? Exactement, le petit frère du 2S Pro, le Supreme 2S. Une nouveauté qui fait son apparition dans un emballage très intéressant et qui est aussi plus abordable que les patins haut de gamme. Ça se met l'extérieur en composite léger ainsi que sa lame en acier inoxydable LS3 sont parmi les améliorations apportées cette année. En plus d'être muni d'un quartier léger en composite curve, il a une doublure Lock Fit Pro qui permet de garder son pied bien en place. Sa languette en feutre 3 pièces avec protecteur assure du confort et la protection. Comme tous les autres patins Bauer, ce modèle est muni du support de lame Light Speed Edge avec lequel on peut facilement changer ses lames. C'est excellent. Merci beaucoup, Eric. Je trouve ça toujours intéressant aussi de savoir pour nos jeunes qu'on veut habiller au hockey, qu'on est capable de trouver des produits qui sont aussi abordables que performants pour imiter les joueurs de la Ligue nationale, si on veut. Maintenant, si on veut faire notre choix, ça prend des critères de sélection aussi. Exact. C'est très important de prendre le temps de choisir son patin en magasin. Nos spécialistes sont formés pour ça. Puis il faut prendre le temps de choisir la bonne grandeur. Faut pas choisir un patin trop grand pensant qu'il va durer plus longtemps parce que tu vas perdre des performances. Le confort, c'est qu'est-ce qui est le plus important. On peut les chauffer, thermoformer, faire quelques ajustements, mais c'est vraiment deux des critères les plus importants. Alors, c'est intéressant. J'espère qu'à la maison, on vous a bien informé sur la façon de choisir nos patins, la gamme de sélection également qui est disponible en magasin. Et Éric, un gros merci. Tu reviens nous voir la semaine prochaine. Tu nous parles de quoi? Oui, la semaine prochaine, on va parler des nouveaux modèles de gants. Parfait. J'ai bien hâte d'entendre ça.